Salut à tous, c'est Pank Dacheno. Aujourd'hui, mon planning a été foiré, donc séance très courte. On va faire peut-être un quart d'heure, peut-être 20 minutes, mais pas long. Enfin, je vais tenter. Pas long. On fait la carme, on prend notre arme, et juste pour commencer, des angles reins super légers, d'accord? On pense bien. Notre idée, faire des transferts de poids, bien utiliser notre épaule. Et surtout, on pense, c'est notre rotation qui va faire que c'est assez fort. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et... Mais, sans, tier, go, look, sit, hat, cue, do, hit, me, sans, tier, go, look, sit, hat, cue, do. Ok, allez, angle 2, 1, on ramène 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 26, 27, 28, 29, 30. Ok, cool. Donc, ce qui est cool avec arme, c'est que on ressent bien l'inertie que ça peut faire et la différence que ça fait quand on est tendu, pas tendu, quand on suit ou pas notre mouvement. On pense toujours que nos jambes sont importantes. Hein. Donc là, on se met plus en posture de boxe que de quali, hein, je vous rappelle, on est un petit peu plus long en quali. Ce qui m'intéresse, c'est que vous ayez un travail qui va permettre de bosser sur vos mouvements boxés. 1. Alors pardon, on fait un angle 1, 2, d'accord? 1, on revient, 2, hop, on revient. 1, 2, on revient. 1, 2, on revient. 1, 2, on revient. 2, on revient. 1, 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 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ok, cool, on pose un peu. Et là, ça ne va pas plus bas. Je veux juste que vous cherchiez jab tout cool. Et le deuxième, je veux que vous lâchiez comme vous aviez avec vos bâtons. Hop, cherchez. Hop. Allez, tapez fort, comme si vous aviez la même inertie qu'avec le bâton. Allez, un. C'est le deuxième qui m'intéresse. Deux. Trois. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,
Ensuite, hey, en 9, hey, 30, hey. Très bien. On reprend notre arme. Et on recommence. Même chose, juste, on va faire jab, boum, percu. D'accord? C'est ce que je vais attendre sur un 1-2. Hier, on l'a vu, hein. Si on est sur un enchaînement, MMA, boxe et style assez tradit, on n'excède pas trop 2-3 coups, d'accord? Surtout dans les sports mix, parce que les gars peuvent lutter, peuvent rentrer, ça peut être dur. Donc, on a toujours un de nos coups qui va être plus fort, d'accord? On pense bien à ça. Là, c'est l'autre. À la base, boum, c'est ma droite. Ou ma gauche, si je suis gaucher. Hein. Et ce que je veux, c'est que vous sentiez vraiment cette énergie qui fait que vous puissiez profiter à ce moment-là vraiment du mouvement de votre bassin. Donc on est là, hein, et boum, on vient. Jump, on vient. On vient. On vient. On vient. Lâchez-vous, mettez du kiaï. Cherchez vraiment à ressentir la même chose. Votre jab, il doit quand même être un jab. Hein. C'est certains jabs de blocage, mais pour ouvrir, hein, on pourrait prendre par l'absurde. Bouah, je viens saisir le mec, bouah, le shoot plein de balles. Allez, boum, et boum, et tiens, mais tiens, ça tiens, 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 hop, tiens, hop, tiens, c'est tiens. Là, je veux que vous lâchiez. Donc, on a l'arme. Traversez votre partenaire. On pense à ça. Je pense à transpercer. Je transverse. Ici, je vais lâcher mon partenaire. Je vais chercher à le couper en deux. Ok ? On imagine que j'ai une machette plutôt qu'un bâton, et je pense à complètement traverser. Je ne vais pas vous faire un détail de ce qu'on va traverser. Ok, donc même principe, lâchez-vous. C'est... On continue. Donc, comme je vous le disais, on va d'abord reprendre en gauche-droite. Là, ce qui est cool, surtout si vous avez un bâton, sûr qu'avec la bouteille, vous allez moins le sentir. Mais il y a un poids avec le bâton. Ce qui fait que là, votre main s'habitue à tenir quelque chose. Une espèce de poids au niveau de la main, au niveau du poignet. Donc, on recommence notre gauche-droite. Yep. Je veux que le deuxième, vous y mettiez tout comme si vous transperciez le partenaire. D'accord? Pensez à vos transferts de hanches. Et vous y allez. Visage, corps, ou en guédane, ça n'a pas vraiment de sens. Ok? Donc, visage ou corps. Allez. 10, 10, 10, 4, 10, 5, 10, 6, 7, 8, 9, 10. Vous pouvez, pour rester dans votre logique de tenir le bâton, vous avez vu comment mon poing, ça nous rappelle le coup de poing qu'on avait en Shorinji Kempo. Vous souvenez? Vous pouvez travailler si vous le sentez avec le même principe. D'accord? Je vous le rappelle, hein, en Shorinji, ils travaillent rarement en tournant de Tsuki. Ils ont un
Kageten, je sais plus comment ça s'appelle, Katen, bon j'ai plus le nom, mais il tourne pas, il percute droit. Si, yeah. D'accord. On peut, là je trouve avec ce travail qu'on a eu, on va rentrer avec ce coup. Alors soit vous le faites un, vous rentrez un type box, soit boum, type kempo, c'est peut-être vous allez ressentir la même chose dans le corps. Allez, on est reparti. Yeah. Yeah. Observation de sensation, c'est important. Là on fait un travail ouvert sur des styles qui en général ne se croisent plus, qui ont dû se croiser un jour mais ne se croisent plus ou ne se sont jamais croisés. Et ce qui est intéressant, c'est capter ce qu'on ressent. Donc on est là, hop, d'accord. Maintenant donc jab, je reviens et là boum, je vais être moins puissant. Je sais pas si je vais avancer d'ailleurs. 1, 2, non, vous allez juste faire un retour. D'accord. Donc on avait 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon, je sais plus comment, combien c'est celui-là, mais on pense à cette idée-là. 1, boum, je reviens, diagonale, percu. D'accord. Ce qui va faire une forme un petit peu plus kempo américain qu'on a pu avoir, où je vais revenir comme un huracan avec le point que j'ai lâché. Allez, donc, d'abord, 1, 2, 3, on admet quoi? On admet que je viens de jabber, je tape, le mec s'est reculé, je tente de l'avoir. Mais là, ce sera le bout de bâton, c'est que ça ne va pas finir l'opposition. Mais ça peut faire mal. Si, si. Si, si, si. 1. 1. 2. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10, ok. En souhaitant que vous ayez cette sensation, donc 1, 2, 3, d'accord. Et là, on retourne un petit peu sur des trucs type tradi. 1, je percute, shoté, bulgi, je rentre, boum, et je retravaille en 2. Celui-ci sera moins pénétrant parce qu'il va vite remonter, d'accord. Donc ça fait 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hitch, lead, thumb. Hitch, lead, thumb. Hitch, lead, thumb. Hitch. 1, 2, 3. 4. 5. 6. Allez, accélère. 9. 10. Encore. Hitch. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Encore. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9, 10, allez, bien, cool. Alors, là, bien sûr, notre percu, notre gauche-droite,
il n'est pas ultra puissant. Il n'est pas comme tout à l'heure, on cherchait à traverser le gars. Non, là, on sait que notre deuxième percu, elle n'est pas aussi investie. Et on la ramène rapidement. D'habitude, c'était ce qu'on avait vu dans les styles boxés, on nous apprend à ramener les mains. Pareil en karaté, hein. Mais parfois, l'erreur qui nous est enseignée dans les styles plus tradis, pour les 15 minutes, on ne va pas tarder, hein, de toute façon. Os, merci. Dans les styles tradis, le problème qu'on a, c'est qu'on s'est habitué à faire des... et à rester, d'accord? On avance sur des kions, et on reste. Ce qui fait que souvent, on a pris l'habitude dans ce qu'on appelle Ippon Kumite, ou après il peut y avoir d'autres formes, mais d'avoir un partenaire qui attaque et qui reste. Sauf que, comme je vous disais, quand on est en boxe, on va aller toujours éviter, et même quand on est en combat dur, karaté tradi ou karaté kyoku, ou des sanshu, etc., on sait très bien que le mec, quand il percute, il laisse passer sa droite. Personne au monde va venir vous taper, un gars dans la rue va pas faire et garder sa main pour que vous emmêliez les bras, percuter parti, frapper. Donc, c'est un des problèmes qu'on a parfois dans les styles tradis, c'est qu'on nous dit, les gars, ce qui est important, c'est pouvoir ramener rapidement, et en même temps, à la place de nous faire hitch et nous ramener à chaque fois sur un carré une posture de garde, on reste là, puis on fait ni, boum, et on reste là, sam, boum. Et on l'a vu hier, hein, sur le Senshin, hip, d'accord? On travaille, hip, hip, d'accord? Ça a rien à foutre là. Bon, dans le Senshin, on s'en fout parce que c'est un travail différent, mais sur une notion de combat, ça n'a pas de sens. Donc, cette notion-là, se dire, 1, ça part, 2, 3, c'est, ça repart là, ce qui serait très boxé, quoi, très opposition donc, quand je dis boxé, soit type Kempo américain, Wing Chun, style qui aime bien enchaîner, certains styles Goju-Ryu ou même Uchi, Karaté, Okinawaïen, je percute, je reviens, mon bras fait toujours deux choses, ce qui double à chaque fois, si j'ai percuté là, je peux revenir. Alors, ça crée moins de notions effectives sur la percue, même, mais on part sur le principe qu'on va enchaîner les mouvements. D'accord? Là, c'est ce qu'on cherche. Je percute, c'est pas très fort, mais je reviens. Hurricane. Vous vous souvenez? Et boum! D'accord? Et là, on se retrouve dans des notions très philippines, très panantoukan, type je suis là, j'ouvre, boum, boum, boum. Et je reviens. Ou bad, ou bad, etc. Bon, ça, on n'a pas vu, mais globalement, c'est l'idée. D'accord? Donc, on pense à ça. Je suis ici, je peux revenir. Mon bâton, ça serait con de le laisser là. C'est un des défauts que vous allez trouver dans les arts tradis. C'est que nos professeurs nous attaquent, ou se défendent à partir du moment où je fais genre un angle 1, je me protège, et je garde mon bâton ici. Mais personne garde son bâton là où il a tapé. Dans quel monde on a vu ça? Sauf que déjà, les armes, souvent, il se passe quand le mec m'a bloqué, et après il prend mon bras. Mais la réalité combat, c'est que je passe là, je reste pas. Si tu m'as bloqué, ben, je ramène immédiatement, parce que je vais rechercher à te taper. C'est un des défauts, et c'est la grande critique qu'il y a sur les styles traditionnels, où on dit souvent, c'est pas réaliste. Mais pensez bien, le cadre du style tradi, c'est de dire on travaille sur nous à différents niveaux, pas que pour la self-défense, pas que pour le combat d'opposition sportive ou d'opposition tout court. Ok, allez, là, on va faire la même chose, 1, 2, d'accord? Ce qui voudrait dire que sur notre panantukan, donc plutôt boxe philippine, dirty boxing, on ferait ça. D'accord? Je pars sur uppercut, ah, boum! Ça marche pas, je m'en fous. Je laisse aller le mouvement et je reviens. D'accord? Et on retrouve notre papate de chat. Notre papate de tigre. D'accord? Donc, 1, 2. D'accord? 1, 2. Pour l'instant, on fait juste ça. 1, 2.
1, je remonte, je redescends. 1, je remonte, je redescends. Pensez à faire comme avec un uppercut. 1, on tourne le pied d'appui. On tourne le pied d'appui. On revient, on garde. On tourne, on revient. On tourne, on revient. On tourne, on revient. Ich, ni, san, chi, go, look, sich, hat, chiu, chiu. Alors, ich, ni, san, chi, go, look, sich, hat, chiu, chiu. Ok. Donc maintenant, oui, merde, et je suis pas dans mes temps du tout. Allez, on se fait encore 5 minutes à tout péter. On est là. Je percute. 1, je reviens, d'accord. Pour l'instant, faites-le main fermée, point fermé. D'accord. Mon uppercut, je le connais et je reviens. Comme si, alors bien sûr, dans une notion pure combat, c'est qu'en général, ça a pris dans les gants ou ça allait dans les bras. Donc c'est vrai que à ce moment-là, il faudrait concrètement revenir un peu pour repasser. D'accord. Vous sentir dès que ça percute, ça passe pas, revenir vers le haut. C'est pas ultra réaliste. Hein. Allez, 1, 2. On revient sur notre gars. 1, 2. Pensez avec cette sensation de bâton. 1, 2. Décalez-vous. 1, 2. Lâchez-vous, lâchez votre hanche. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Ok. Maintenant, vous pouvez imaginer, si ça n'a pas marché, ça revient comme tout à l'heure. Homme, ça rentre pas, boum, je repasse sur autre chose. Mon bras fait deux mouvements. Ce qui reviendra, ça. Là, je redescends pas, et je reviens droit. Quand je fais un, boum, comme ça, hop, percute, boum. C'est pas passé, le mec est trop loin, je repercute. Alors le revers, il est chouette. Hein. Donc ça peut être un. Là, vous pouvez ouvrir votre main. Uppercut, ça marche pas, ça rentre, il absorbe ou il est trop loin, je finis par redonner une espèce de patte de tigre, éventuellement Byuji pour les mecs qui sont plus Wing Chun, taper avec la pointe des doigts, et pensez, vu qu'on est ici, on a un décalage jambe avant, on pourra pas aller très loin, oui, si on percute jambe arrière, parce que là ici, 1, 2, ça va être dur de revenir très fort là-dessus. D'accord. Donc 1, hop, 2, 1, 2. Vous choisissez soit diagonale, soit percute droit. D'accord. 1, je repars droit. 1, je redescends. Cette fois, j'ouvre ma main. Allez, comme vous voulez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, go, look, 6, 8, 9, 10, encore, 1, 2, 3, 4, go, look, sit, at, cue. Ok, cool. Donc, bien sûr, sur des oppositions boxées, bon, ouais, pendant ce temps-là, on va faire la tête. Eh merde! Hop! Faire 2-3 exercices. Sur des oppositions boxées, c'est-à-dire dans une situation
de boxe, quoi, quand je dis boxer avec des gants de boxe, à ce moment-là, beaucoup de trucs, techniques, astuces qu'on retrouve dans les styles tradis, type la patte de grillé, la patte de chat, la griffe de je sais pas quoi, les frappes avec les doigts et tout, ça n'existe pas. Hein. Tu peux pas avec le gant, et il faut penser à un autre truc, c'est que le gant il protège bien, il a une grosse surface, ce qui fait que ça protège relativement bien aussi la surface du gant qui t'arrive dans la tronche. Donc il y a beaucoup de formes qu'on retrouvera jamais dans des box d'opposition, en match et tout, parce que déjà ça peut pas fonctionner, parce que d'une part souvent ça a pu être interdit avec le temps, et ça n'existe pas forcément dans ces styles là. Après, certains disent, ouais, mais on enlève les gants et on combat sans. Alors un boxeur, il va te dire, bah non, je combat pas sans gants, étant donné que lui, c'est quand même comme ça qu'il a appris. L'autre pourrait dire, ah bah tu vois, à gants nus, je pourrais te faire mes coups dans les yeux, mes frappes avec, vous vous souvenez, avec l'avant-bras à côté maintenant. Avec l'avant-bras, avec, le poignet, etc. La réalité est beaucoup plus complexe. Hein. C'est pas dit que cette technique un petit peu particulière passe à chaque fois. Maintenant, si on change de contexte, qu'on n'est pas dans une phase d'opposition boxée, c'est-à-dire les deux savent qu'ils vont boxer, mais plus sur une phase surprise comme ça pourrait être dans un combat dehors, éventuellement, une griffe de tigre ou autre, les gens, ou autre, ça pourrait bien placer, c'est ce que je vous disais, avec ça remplace la baffe, ça peut remplacer une droite, ça peut toucher énormément d'aspects, et ça c'est vraiment chouette. Mais ça ne sera pas un système qui va admettre le combat, c'est vraiment sur une zone d'explosivité à un moment donné. Allez, encore. L'autre côté. Ok. Ok, on fait un petit peu de gainage. Tire un petit peu en cobra. Ok, vous venez. Tiens, tête en bas. Ok, cool. Très bien. Alors. Bon, là aujourd'hui, on a été un peu plus court. Bon, c'est là aussi, hein. N'hésitez pas à faire des sessions plus courtes, des sessions plus longues. N'hésitez pas, bien sûr, d'avoir votre propre routine. L'idée, c'est toujours de pouvoir créer un mouvement dans le corps pour que vous puissiez vous sentir mieux au quotidien, que vous puissiez assimiler de nouvelles techniques, ou ne pas assimiler de nouvelles, mais
travailler sur les anciennes. Moi, je suis plus dans cette notion-là. La répétition permet, à un moment donné, d'avoir une intégration. Après, il y a des corrections à apporter à chaque fois, etc. Pensez donc toujours à bien cadrer la notion de sport de combat, arts martiaux. Il y a la notion sportive, la notion donc sportive qui est la plupart du temps ludique. La notion travail personnel dans le physique, renforcement de soi, garder des postures, améliorer pour certains parfaire des postures, postures techniques. Et il y a la facette défense personnelle qui est avant tout basée sur on fuit, on reste pas là où il y a du danger. Et si c'est pas le cas, faire en sorte que post-rituel d'avant-combat, on puisse le plus rapidement possible finir pour partir, en tout cas retrouver dans une position forte de contrôle d'une situation, ne serait-ce que 5 secondes, 10 secondes, pour partir ou contrôler les circonstances qui arrivent à ce moment-là. Donc pensez toujours à bien capter que chaque système travaille sur des visions différentes. Et le hic qu'on a, c'est vu que tout est basé sur sport de combat, arts martiaux, on va partir sur une notion de quel est le plus fort. Et moi, je suis le premier à être dans ce truc-là. Hein. Alors qu'en fait, on ne touche pas les mêmes objectifs du tout. Voilà, prenez soin de vous, buvez bien, et puis à très vite. Ouh.